Ce soir, Sophie Garel, Claude Sarotte, Stéphane Pocrin, Arnaud Gidois, Thierry Cochard et Jean-Luc Lemoine. Sophie Garel, oui, comment allez-vous? En personne. J'ai pris un petit t-shirt rayé, en oui, espérant ne pas être rayé de vos listes. Mais... Ça permet aux téléspectateurs de régler les couleurs. Je vous en prie, allez-y. Voilà. Et le relief en même temps. Stéphane Pocrin. Ah, je suis en pleine forme. C'est vrai? Ah oui, tout va bien. Mon petit Stéphane, tu m'inquiètes toujours pour vous. Hein. C'est vrai, vous avez raison. Ah, ça y est, ça recommence. Le faillotage. Allez. Bah, pas du tout. Enfin, c'est normal qu'on échange quelques civilités. Quant à Perry Cochin, alors, enfin veuve. Allez. Il est temps de passer à la photo du jour, c'est celle de la princesse Victoria de Suède. Je ne sais pas si vous la connaissez, Victoria de Suède. Regardez sa photo. Elle vient de terminer une formation militaire pour pouvoir participer aux opérations de maintien de la paix à l'étranger. Hein. C'est du sérieux. C'est quand même dingue, hein. Vous voyez un peu la photo. Elle a l'air mignonne, remarquez. Oui. Mais quand même, à part Lady Diana dans la destruction de ponts et Stéphanie de Monaco chez les tirailleurs couchés, on n'avait jamais eu une princesse qui s'engageait comme ça dans l'armée. Vous allez voir que bientôt, même Stéphane Bern va finir correspondant de guerre en Irak avec des trucs pareils. C'est incroyable. Je répète méchant, mais son coiffeur est nul. Hein. Il est resté trop longtemps sous le casque parce que là, ça a cramé. Hein. C'est que ça pousse à travers le casque. C'est ça qui est génial. Il est temps de passer à la revue de presse des dessins humoristiques de la semaine. Et on commence par ce dessin de Luz dans Charlie Hebdo qui nous montre le ressentiment anti-français des Américains. On voit un soldat qui ressemble étrangement à George Bush d'ailleurs, qui va chercher la bouche d'un Français qui dit « Rendez-nous les chewing-gums qu'on vous a distribués à la Libération. Ah » ouais. Pas que les chewing-gums, il y avait des banilons. Tu ne peux pas savoir ce qu'on était contentes. Ils quand ont même donné aux jeunes femmes. Elles vont être contentes, les Irakiennes, de savoir qu'elles vont avoir des banilons et des chewing-gums, Claude. Franchement, enfin, Claude. Quoi? Qu'est-ce qu'on fait-il? C'est nul. C'est bien. Ah, c'est... Non, non, c'est très bien. Ah bah, c'est le sens de la propos. T-News, dans le même Charlie Hebdo, nous montre, lui, les projets de George Bush après la guerre du Golfe. Après Saddam, Bush va attaquer le mieux. C'est-à-dire que là, il a attaqué le mal, selon lui. Parce que le mieux, c'est l'ennemi du bien. Pas c'est mal. Joli. Très joli. Le dessinateur Bernard s'est attaché, lui, aux raisons du refus de Saddam Hussein de quitter l'Irak. Laissez-moi un peu de temps, j'ai pas encore cotisé 40 ans. Rançon, Olivier Rançon, dans Le Parisien, nous montre le quotidien du dictateur. Pourquoi ça me fait marrer. Rançon. Ça va être difficile aujourd'hui, je vous préviens, Laz. Avec les confettis, tout ça, c'est pas gagné. Rançon, Olivier Rançon, n'est-ce pas, Jean-Luc? Tout à fait. Dans... Je vais y arriver, ne vous inquiétez pas, j'arrive. Rançon, dans Le Parisien, Olivier Rançon, hein, Jean-Luc. Alors, on va y passer la nuit, là. Finalement, t'as pas besoin de grande chose. Hein? Je suis capable de me faire rire tout ça. Alors, allons-y, on y va, c'est parti. Hein. Rançon. Rançon. Janvier. Vous avez prévu des sacs de couchage, des trucs comme ça? C'est-à-dire argent demandé par les ravisseurs. Un autre dessin avec Rançon dans Le Parisien qui nous montre le quotidien du dictateur irakien. Regardez. Et on voit un soldat qui dit à Saddam Hussein, si vous êtes encore en vie demain, vous voulez être réveillé à quelle heure? Ah, c'est bien. C'est bien. Il est bon, Rançon. Il est bon, Rançon. Il nous fait rire, Rançon, c'est surtout ça. Arrêtez. Kerleroux, dans Le Canard enchaîné, nous montre, lui, la bonne volonté des Américains. On va détruire, en un rien de temps, un max d'armes de destruction massive, dit George Bush. Les nôtres. Ça...
Ça inspire les dessinateurs et les humoristes, la guerre. Ouais, je me disais que malheureusement, on risquait d'en avoir quand même pour un petit bout de temps, tous ces dessins. Quoi. Stop ! Ils disent que ça va être une guerre courte. Mais il faudrait que ça va, parce qu'une des raisons pour lesquelles les États-Unis font la guerre, c'est qu'ils nous ont expliqué que Saddam Hussein était une menace pour la paix du monde. Ouais. Donc si c'est une menace sérieuse, son armée doit être très forte. Et donc, ils ne vont pas pouvoir le vaincre facilement. Et s'ils gagnent facilement, ça prouverait bien que Saddam Hussein, ce n'était pas une menace. Ah, ça, c'est un bel argument, ça. Bravo, Stéphane. Delise, dans France Soir, a réuni Bush et Saddam Hussein dans le même dessin, lui. On voit Saddam au téléviseur qui fait un bras d'honneur à George Bush. Le traducteur demande, vous voulez que je vous traduise, Bush? Non, inutile, c'est ce que j'ai dit à l'ONU. Les récentes évasions des prisons françaises ont inspiré Jules dans Charlie Hebdo. Spectaculaire évasion de prison. Et là, on a un type qui a creusé, mais il y a un panneau Irak. Demi-tour, les gars, on a creusé trop loin. Sur le même thème, Philippe Tasté dans Marianne. Évasion à Borgo, en Corse. Je viens voir mon fils. Ne bougez pas, je vais voir s'il est toujours là. C'est quoi avant de se déplacer? Maintenant, il suffit de téléfonner aux prisonniers pour savoir s'il est là. Ils ont leur portable. T-News dans Charlie Hebdo garde la dent dure contre le président Chirac. Regardez, les grands travaux. Mitterrand, c'était la très grande bibliothèque. Chirac, lui, construit des prisons. Raffarin dit, comprenez-le, il a plus de chances de finir en prison qu'à la bibliothèque. Ça, c'est gonflé, hein. On voit en ce moment, il y a une différence entre une prison et une bibliothèque. Une prison, on peut sortir quand on veut, la bibliothèque, il y a des horaires. C'est vrai. On termine par un dessin de Philippe Geluck dans VSD. Les automobilistes écossais adoptent le kilt main libre. C'est plus commode pour se gratter, les écossais. Nous allons maintenant tester ensemble Thomas Levé. Thomas Levé, c'est le meilleur golfeur français actuel. Et cette année, il joue pour la deuxième fois de sa carrière dans le plus prestigieux circuit du golf du monde, le PGA Tour. On pourrait croire que le golf, c'est un sport de gens courtois, mais aux États-Unis, pas toujours. La preuve, c'est qu'à l'Open de Miami, notre Français s'est fait insulter par le public en plein parcours. Tout ça parce qu'on est un pays qui ne veut pas faire la guerre, vous l'avez compris. C'est pas malin et ça confirme un truc sur les golfs américains, il n'y a pas que 18 trous de balles. Nous allons tester ensemble. Nous allons tester ensemble notre champion de golf tricolore. Voici Thomas Levé. C'est ça, le golf, c'est bien parce qu'on bronze, hein. Ouais, c'est sympa. Surtout aux États-Unis et à Miami particulièrement. Ah, ça cartonne là-bas. C'est bien passé à Miami? Ouais. Vous avez terminé combien? 54e, je crois. 54e, ça c'est... Oh là là. Au départ, monsieur. Ouais. Salut. On est 160 au départ. Ah, c'est bien. C'est pas mal. C'est pas mal. Sur ces 160 golfeurs, il y avait combien de Français alors? Moi. Vous étiez le seul? Ouais, avec moi. Bravo alors. Alors évidemment, aujourd'hui, on vous parle beaucoup de ce qui s'est passé pendant le tournoi de Miami, puisque là, vous avez été un peu insulté, je sais pas, mais en tout cas, chez moi, on dit ouspaillé. Ça se dit, ça, ouspaillé? Oui, ouspaillé. Ah bon, on dit ouspaillé en Normandie. Oui, oui, en Normandie, nous, on dit ouspaillé. Okay. Merci, Stéphane. Mon petit Stéphane, normalement. Merci, mon petit Stéphane. Voilà. C'est vrai, en plus, chez nous, on dit ouspaillé. Alors, vous avez été un peu, voilà, pris à partie par le public? Ouais, bon, faut savoir que les gars qui ont fait ça, bon, ils m'ont insulté de... Mais quel genre d'insultes? Qu'est-ce qu'ils vous disaient? La Française, la França, les Français... Golfeur, truc, bon, j'ai quand même minimisé l'affaire quand même pas mal, parce que c'est des gens qui avaient beaucoup, beaucoup bu. Ah toute oui. la journée. Ah. Et il faisait 35 degrés en plein soleil, donc les gars, ils savaient plus ce qu'ils... Au golf, c'est normal, il y en a beaucoup qui boivent comme des trous. Non, mais au 16... Vous connaissez Thomas Levé, Stéphane Pocra? Je connaissais de nom, je ne l'avais pas encore rencontré, mais je veux bien qu'il me donne des cours de golf. Hein. Vous avez déjà joué? Oui, un peu. Peut-être tout à l'heure, on va vous donner quelques cours. Alors, Claude? Oui, moi, j'ai fait des sauts. Explique, mon chéri, ce que c'est que faire un saut. Un saut, taper un saut, c'est là où on met les balles.
Le petit saut qu'on prend pour aller aux pratiques. Puis tu le mets sur un tapis comme il y a derrière, et puis tu dois envoyer la balle. Et tu ne... Moi, j'ai fait ça pendant 3 mois sans avoir le droit d'accéder au cours de golf. C'est vrai que c'est pas rigolo, parce qu'on voit les autres qui sont sur le gazon en train de s'amuser, et vous êtes dans un endroit avec un truc, et ça dure des plombes. Puis moi, j'ai abandonné, parce que moi, je veux jouer comme les autres, voilà. Il n'y a pas de raison qu'on soit dans un petit coin à jouer avec une petite balle, un petit truc. C'est, franchement, ouais, c'est pas rigolo. Les débuts sont difficiles. Ah ouais, c'est hyper difficile, mais bon, si on y va régulièrement et qu'on est relativement adroit, ça va. On progresse vite. C'est vraiment ça, le et c'est vraiment en fait. Intéressant. Il faut être adroit, Laurent, pour cette affaire. Oui, ou alors il faut pas. mais ça va pas. Oh, tu mets pas toi aussi. Mais ça va pas, enfin. Bon, Stéphane, ça suffit. Bon, c'est vrai que tu vois Laurent, il. Bon, mais d'accord. Mais il est adroit, il est habile, il. Et bon, quoi, c'est quoi. Oh là là, mais c'est pas possible, j'en ai trop. Enfin. C'est bien, mon petit Stéphane. Merci mon petit Stéphane. Stéphane, il sait, lui, comment je joue au golf. Voilà. Oh, d'accord. Sophie Garel. Il a à côté Julien Lepers, hein. Avec vos yeux, vous pouvez éclairer le green de nuit, hein. Parce que vous savez ce qu'il faut, hein. C'est vrai, ah, ça. Ah, oh, on n'a pas besoin de bougies à la maison quand vous êtes là. Faut dire qu'il faut une bonne vue pour jouer au golf. Oui, c'est vrai, ouais. Non, franchement. Vrai, ouais, pour voir les balles et pour vraiment apprécier le terrain aussi. Parce que comme on joue avec beaucoup, beaucoup de pentes, si on voit rien, on est paumé, en fait. Vous connaissez l'histoire entre Tiger Woods et Stevie Wonder. C'est Tiger Woods qui rencontre Stevie Wonder, et Stevie Wonder lui dit « Moi, je peux vous battre au golf. » Alors, d'ailleurs, mais non, c'est pas possible, vous êtes aveugle. Je joue depuis que je suis tout petit, je suis habitué à jouer, je connais les parcours par cœur, je vous parie 10 millions que je peux vous battre au golf. Alors Tiger Woods rigole un peu, il fait « Ah, bah alors, d'accord, allez, pari tenu, 10 millions. On se retrouve dimanche matin sur le prochain parcours. » Et là, Stevie Wonder fait « Non, dimanche soir à 22h. » Écoutez, je crois qu'il est temps que nous testions nos petits camarades. Ouais. Je vais vous demander de péter. Vous êtes prête à péter en mais direct? Complètement. Oh, c'est dégoûtant. Allez-y, Perry. Je fais que du mini-golf. Allez. Vous allez prendre ça? Oui. Les balles, c'est celle-ci. Il faut essayer de viser ce trou-là. Vous voulez que je vous montre au début ou vous voulez faire direct? Montrez-moi. Allez, alors ça se passe comme ça, c'est pas difficile. Alors vous prenez le club avec les deux mains, ok, et vous y le trouvez. Voilà, ah, ça c'est bon. Bon alors à vous. Attention à la caméra. Hein. Sur la caméra. Bah oui. Elle en peut plus. Hein. Doucement, 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 doucement. Au suivant, Jean-Luc Lemoine. Doucement, doucement, doucement. Vas-y, montre. En deux coups, peut-être vous y seriez arrivé. Hein. Ouais, c'est déjà pas mal. Pour un début, ça va. Ah, merci, monsieur. Tranquille. Tranquille. Ouais, pas ah, mal, merde, trop fort. Dommage. Arnaud, on y va avec Arnaud. Doucement. Ah, ben, il y prend boule, le moine. Je sens qu'on va aller faire un circuit ce week-end. Oh là. Ah, j'ai mis un effet. Laurent, c'est de malade. Tu vois, le mini-golf. Comme tu peux voir, c'est vachement facile. Ah, très facile. Ouais. Et là, c'est plat, hein, y a pas de penche. Vous me permettez de passer avant vous, mon petit Stéphane? Allez-y, mon petit Laurent. Ils les deux mains. Ah bon. Ah. Celle-là ici, celle-là là. Now, les deux pieds en dehors du tapis. Laurent voilà. Riquet, spotting for the birdie. Voilà, comme ça. OK. Ah, oh, merde. Bon, enfin, là, Stéphane. Suivant. Dire que vas-y, Stéphane, mets à bord. Attends, Stéphane. On va faire en condition américaine. Pocrin, Fayot, allez, vas-y, joue maintenant, allez. Fais-moi le malin, là. C'est ton mental? C'est ton mental? Oh, t'as non, loupé, Stéphane. Mental. Laurent, il va pas être content, hein. C'est le mental, ça. Claude, vous voulez essayer, Claude? Non, j'étais nul. Et Sophie? Ah, excellent, Claude. Pas mal dedans, celle-là. Ouais. C'est Sophie. Restez ici, Thomas. La gagnante est Sophie. Sophie, tiens, bah, relevez-vous un instant, prenez ce petit panier, parce qu'on va demander... Ah bah alors moi, mettre la main au panier, c'est pas mon genre. On va demander à Thomas Levé un exercice. Il va tenter d'envoyer la balle de golf dans le petit panier de Sophie. Tu veux pas ma bouche? Par-dessus ma tête. Ouais. Merci Thomas. Génial.
Ah non, c'est impressionnant quand même. Hein. On voit comme nous, on était ridicules. Bon, vous êtes professionnel en même temps. Ouais, mais ça fait 26 ans que je joue aussi. Votre prochain parcours? Là, je pars à Atlanta la semaine prochaine et je joue le Masters dans deux semaines. Le Masters dans deux semaines. Le meilleur golfeur français du moment est venu nous voir. On vous remercie. Thomas Lové. Merci beaucoup. C'est fini. Mais juste hier jeudi, vous pouviez participer à la traque d'extraterrestres. Oui, plus de 4 millions d'internautes à travers le monde ont participé à la recherche, paraît-il, de signaux extraterrestres dans le cadre d'un programme américain qui s'appelle CETI, Search for Extraterrestrial Intelligence. Bravo! Et applaudis! Alors, je serais évidemment incapable de vous expliquer comment tout ça marche, parce que c'est légèrement au-dessus de mes compétences, mais nous allons recevoir dans un instant un spécialiste qui va nous éclairer. Et coup de bol, c'est pas Jean-Claude Bourré. Mais avant, Dan Bolander a mangé trop de soupe aux choux et il a testé pour nous chasser les extraterrestres. Regardez cette caméra cachée par Benoît Cressan. Bonjour, ici Dan Bolander, j'ai testé chasser les extraterrestres. Nous sommes la brigade anti-extraterrestre et nous sommes à la recherche d'extraterrestres, en fait, qui seraient dans les parages. Vous n'avez rien vu? Non. Et rien entendu? Pourquoi vous pensez qu'il y aurait des odeurs sur du linge ou quelque chose comme ça? Attendez, qu'est-ce que vous avez vu? Bah, c'est-à-dire que, non, j'ai pas vu. Ce matin, je suis allée décrocher un pull parce que j'ai oublié de décrocher mon linge ce matin. Oui. Et ça empoisonne la fumée. Ah oui. Écoutez, alors, si vous voulez sentir le linge, vous pouvez, il est toujours accroché. Oui, si on peut venir. Allez sentir le linge, si vous voulez. D'accord. Laissez-moi analyser, chef. Vous pouvez regarder? Bah avec ça, oui. Capitaine. Oui? Je vous confirme, ils sont bien passés par ici. Je laisse le linge dehors? Vaut mieux, madame. Question de sécurité. Vous entendez quoi? Dans leur maison, il y a du bruit. Vous avez un enfant chez vous? Non. On peut aller voir? Faut aller voir tout de suite parce que je pense qu'ils y sont là. C'est quoi? C'est le cochon? C'est un cochon. Non, c'est un cochon, c'est bon. Il est dans la grange, je vous dis. Je l'ai vu y aller. Est-ce qu'il faisait du bruit? Oui, il faisait glou, 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 glou. Pardon? Il faisait glou, 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 comme ça, quoi. Il y a eu quelque chose, là? Vous avez vu quelque chose, madame? Bon, non, c'est le truc, là. Quel truc? Ben, par là, c'est parti par là. C'est parti par là? C'était comment? Quel aspect, madame? C'était quelle couleur? Beige. Beige, c'est ça. Attendez, mettez un masque, madame. Bah, ça va pas, non. C'est pour votre sécurité, madame. Vous l'avez vu partir où? Bah, par là, moi, je vais là-bas dans le truc, je sais pas. Est-ce que ça émettait des cris? Bah, oui. Lieutenant, allez voir dans la grange. Madame, vous pouvez nous montrer exactement où est-ce qu'elle est allée? Montrez-nous où, bah, où est-ce que c'est. J'en sais de rien, c'est parti par là. Bah, elle est là. Arrêtez! En joue! En joue! Attention! En joue! Planquez-vous! En joue, en joue! Lieutenant! Tirez! Je crois qu'ils l'ont eu, colonel. Ok, c'est bon, madame. Vous ne craignez plus rien. On va vous le montrer, madame. J'en ai entendu un là-dedans. Mais non, c'est mes dades, c'est mon dadon quand même. Un extraterrestre. Allons-y, lieutenant! Allons-y! Alors revenons tout de suite sur cette expérience qui a eu lieu donc pendant 2-3 jours où 4 millions d'internautes à travers le monde devaient brancher leur ordinateur pour essayer de capter des sons venus de planètes extraterrestres. Alors, je ne sais pas trop si cette histoire est vraiment sérieuse. On va tout de suite demander à un spécialiste du genre, quelqu'un qui a écrit « OVNI et armes secrètes américaines », l'extraordinaire témoignage d'un scientifique. C'est chez Albin Michel. Accueillons tout de suite l'astrophysicien, directeur de recherche au CNRS, M. Jean-Pierre Petit. Monsieur Petit, bonsoir. Alors, est-ce que vous êtes capable de m'expliquer ce qu'était exactement ce Search for Extraterrestrial Intelligence programme? Bien, je vais vous répondre. C'est une opération de désinformation. Parce que imaginez que vous essayez de capter des signaux radio à partir d'une planète qui se trouve à 20 ou 30 années-lumière. C'est pratiquement impossible. Il faudrait que cette planète vous vise. Donc, si je peux vous expliquer ce que c'est que SETI, c'est comme aller avec des micros à la pointe du Raz en Bretagne pour essayer d'enregistrer les Américains. C'est à peu près ça, avec les moyens que vous avez pu voir. Attendez, avant de démonter ce qu'eux voulaient dire, il faudrait expliquer ce qu'eux voulaient faire pour qu'on comprenne bien. Bon, alors, si vous voulez, il y a quelque chose qui a beaucoup de succès auprès du public. On utilise
utilise le télescope d'Arecibo, que vous voyez là, qui est le plus grand radiotélescope du monde. Puis on essaye de capter des signaux radioélectriques et on obtient surtout beaucoup de bruit de fond. Mais il y a quelque chose qui a donné beaucoup de publicité chez les internautes, c'est qu'on leur donne des petites séquences à analyser et tout le monde peut participer à cette recherche de signaux extraterrestres. Alors en fait, ce que font ces gens-là, ils analysent du bruit de fond. Parce qu'avec cet appareil-là, c'est absolument impossible d'obtenir le France Inter extraterrestre. C'est pas possible. Si j'ai bien compris, ils demandaient à des internautes de se brancher sur leur ordinateur. Voilà. Et grâce à la puissance de chaque ordinateur individuel, d'essayer de capter des sons venus de l'univers, on va dire, c'est ça? Non, si vous voulez, le truc, c'est que SETI a enregistré des milliers et des milliers d'heures d'informations et on pense peut-être qu'il pourrait y avoir un signal dans ces milliers d'heures d'informations. Donc à ce moment-là, au lieu d'avoir un énorme ordinateur qui analyse ça, on a préféré faire participer tous les internautes. Alors tous les internautes participent, malheureusement dans ces signaux, il n'y a rien et il n'y aura rien, c'est tout. Vous y croyez, vous, aux extraterrestres? C'est pas une question d'y croire. Si vous regardez ce livre, vous verrez que les Américains ont été convaincus de l'existence des ovnis en 1947 parce qu'ils ont récupéré une épave. Et cette épave, ben vous la voilà. C'est ça que vous avez ramené? Et bien sûr. Je veux dire que là... Vous n'aurez pas cru, moi, alors. Une épave en carton. Putain, oui, l'arnaque. En carton. Monsieur, est-ce que vous connaissez David Vincent? Ben, si vous voyez, ça c'est un feuilleton, quoi. Ça, c'est la fiction. Et pourquoi les extraterrestres, ils seraient d'abord allés voir les Américains et puis pas nous? C'est pas que... Attendez, parce qu'on peut comprendre que vous ne voulez pas employer le mot croire. Alors quel verbe voulez-vous employer? Mais que tout ceci a une cohérence, a une logique. Il a la certitude. Il y a quand même, une avalanche d'informations, une plausibilité, quoi. Si vous voulez, un scientifique, il ne dit pas qu'il croit, il dit quelque chose de plausible. Vous comprenez? Alors, est-ce qu'il y a des faisceaux de faits concordants pouvant amener à penser? Voilà. Oh là là. Ah. C'est bien ça, mon petit Stéphane. Là, je réponds à ça. Je réponds à 100% oui. Monsieur Petit, il faut rentrer oui, à la maison. Oui, mais alors attends, ça pourrait être moi. Rentrer à la maison, monsieur Petit. Pourquoi? Non, attends, ça pourrait être moi. Quoi? Qui c'est, ces extraterrestres qui sont cachés parmi nous? Gérard Miller, t'as pas vu, il a toujours des t-shirts de Spock, ça se voit. Non, attendez. Bon. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, vous êtes astrophysicien, donc si vous nous dites, vous, plus que, je sais pas, moi, Jean-Claude Bourré ou Jacques Pradel, on a plus tendance à vous croire, vous, qu'un autre. Donc si vous nous dites, oui, là, parmi nous, il y a peut-être des extraterrestres, oui, il y a peut-être un objet volant non identifié venu d'une autre planète qui s'est écrasé en 40, en 50, peu importe l'année, aux États-Unis, nous, on veut bien vous croire, mais dites-nous, oui, je le sais, il y en a. Non, ce que je peux vous dire, c'est que les Américains... Écoutez-moi. Ce que les Américains ont exploité des connaissances issues du dossier OVNI avec lesquelles ils ont une avance technologique de 30 à 40 années sur nous. Ce que vous ne savez pas, ils ont des bombes à antimatière, ils ont des véhicules hypersoniques qui vont à 10 000 km/h. Ils cachent ce qu'ils ont. Mmh. Vous savez, ils ont une envie d'utiliser leurs armes, c'est quelque chose d'incroyable. Mais il faut qu'on envoie des inspecteurs, alors, de l'ONU. Mais je vous donne un exemple. Aux États-Unis? Non, mais franchement, s'il y a des armes secrètes... Tout à fait. Je peux vous poser une question? Allez-y. Parce que comme vous êtes scientifique et que le sujet de votre ouvrage est quand même un peu original, vous êtes au CNRS, comment ils réagissent vos collègues du CNRS? Qu'est-ce qu'ils pensent de tout ça, de votre livre, du fait que vous passez à la télé pour parler de ça? Ils ne réagissent pas parce que quand je suis face à face à eux sur un plateau, eh bien, je vous donne un exemple, par exemple. Lorsque je suis passé chez Tapie, il y a quelques mois, Tapie a demandé, qui aimeriez-vous avoir en face? J'ai dit, écoutez, la meilleure personne que j'aimerais avoir, c'est René Pella, qui est polytechnicien, qui a été président du CNRS, qui a été directeur des projets scientifiques du CNES et qui est actuellement haut-commissaire à l'énergie atomique. Tapie, quand j'arrive, me dit, il a accepté de venir. Il y avait son nom sur la loge. Et puis, un quart d'heure avant, Tapie arrive avec son portable en disant, écoutez, je suis consterné, il vient de me téléphoner il y a 10 minutes, il a une réunion très importante, il ne pourra pas venir. Et à ce moment-là, il m'a dit, pourquoi vous leur faites peur à ce point? C'est ça qui se passe. Fais-moi peur. Explique-moi les extraterrestres qui se cachent chez nous sur cette Terre. C'est ça qui nous intéresse. Quelle forme ils ont? Moi je sais, Laurent, je le sais. Mais je n'ai pas peur, monsieur, se déballonne un petit peu, mais moi je peux le dire. Allez-y. J'en vois tous les jours. Ils sont verts. Sur leurs engins, il y a des trucs qui clignotent. Et ils se nourrissent d'ordures tous les jours. Non, ils ramassent les poubelles devant chez moi. Non. Pour de vrai, mais dis-nous pour de vrai. Je vais vous dire une chose, il y a des gens qui sont témoins, ils voient des choses, ils voient des personnages qui ont des tailles variées, puis il y a éventuellement des petits bonshommes qui font 1m20, puis ils ont des grands yeux noirs, on se demande non, ce que c'est taquine. Que... Mais ça, c'est... Non, mais et ces yeux noirs, ce sont des membranes pour protéger leurs yeux, parce que leurs yeux ne sont pas adaptés. Mais où est-ce qu'on les voit, ces gens-là?
Mais, les témoins vous en parlent. Est-ce que vous voulez que je vous en amène la prochaine fois, à la prochaine émission de télévision? Je ne peux pas, malheureusement. Oui. Sinon, je serais venu, j'aurais amené mon copain. Est-ce que vous pouvez nous apporter ce que vous fumez au CNRS, s'il vous plaît? Monsieur, vous êtes fantastique. C'est extraordinaire. Oh, Jean-Pierre Petit est grand. Le type dans la piscine. Le type dans la piscine qui a des un masque sur les yeux, je ne sais pas quoi, sur les yeux. Quel type dans la piscine? Quel type dans la piscine? Mais tu viens de le dire. Margarita, tu viens de dire que tu as des copains qui ont vu dans les piscines. Non, pas dans la piscine. Non, 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 non. Non, mais il y a des types. Tu vois, j'aurais dû t'interrompre. Tu n'as pas dit que c'était des petits êtres d'1m20, des hommes, des comment femmes, tu veux, des comment tu veux après faire confiance à des témoignages? Il y a un type qui m'a dit, alors, et après ça se répète. Alors dis donc, il paraît qu'il y a des extraterrestres dans les glycines. Quoi? Enfin voilà, c'est le téléphone arabe, votre truc. Non, ah, je suis sûr que tu as des piscines. Ah, mais oui, jamais parlé de piscines. Alors, tu as parlé de petits hommes d'1m20. Tu as un problème avec leurs yeux, parce que ce sont des extraterrestres. Non, mais il y a des... Ils mettent des trucs. Les témoins disent qu'ils ont vu des personnages comme ça, avec des grands yeux noirs. Bah, alors, raconte. Ah. Bah, qu'est-ce que tu as vu? Alors, est-ce que vous avez été enlevé par des extraterrestres, comme beaucoup? Non, pas enlevé. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est vrai. Est-ce que tu en as vu? Est-ce que tu en as vu la queue d'un? Oui. Mais tu dis oui. Alors, vous l'avez touché? La réponse est oui. La réponse est oui. Alors, je vous raconte tout ça. Un jour, il s'agissait du contact qui est... Attendez, monsieur, on va le faire sérieusement. Non. Voilà, si vous... D'accord. Bon, alors, vas-y, raconte. Depuis 25 ans, je suis impliqué dans une histoire de contact. J'ai mentionné suffisamment. Et puis, ma foi, le contact s'est produit, c'était la nuit. On était paralysés comme des imbéciles. Et là, nous avons subi une visite médicale. Mais on était en raide comme des bouts de bois. C'est assez curieux. Je me suis aussi retrouvé... Monsieur, si vous êtes raide la nuit, c'est votre problème. D'accord. Non, attends, c'est hyper important. Parce que ça concorde vachement avec ce que le... Voilà, oui. Avec... Je crois avec que c'est ce soir que ça va se décider si oui ou non les extraterrestres existent. Restez sur France 2. Ça concorde complètement Mais, moi, si vous voulez, moi, je trouve qu'après 25 ans avoir passé là-dedans, je suis prêt à parler, quoi, si vous voulez. Alors, vas-y, raconte. Bon, tu as eu un médecin Je me suis retrouvé avec une cicatrice qui n'avait pas été faite par un chirurgien. Bon, alors, est-ce qu'elle est visible, cette cicatrice? Elle est sur le ventre, mais elle remonte déjà à 10 ans. Vous avez envie de faire un peu de piscine, là, monsieur, pour le contacter? Non, mais soyons sérieux, parce que c'est important pour nous. Comment toucher l'extraterrestre de moins de 50 ans? La ménagère extraterrestre de moins de 50 ans. Voilà, c'est ça notre cible à nous. Est-ce que c'est possible? Enfin, on a décidé de rigoler, on rigole. Non, pas nous. C'est... Ah non, s'il y en a bien qui a décidé de se foutre de notre gueule ici ce soir, c'est vous. Allez, le reste, c'est dans le bouquin. OVNI et armes secrètes américaines. C'est pas contagieux. Si, si. Ah, merde. C'est chez Albin Michel. On vous remercie. Jean-Pierre Petit. Le 10 mars dernier est sorti Post Loft aux éditions Flammarion, le livre d'un néo-écrivain, ex-lofter, très doué pour faire des ronds de jambes dans les piscines, on va pas revenir là-dessus, Jean-Édouard. 2 ans après son expérience dans l'émission d'M6, le jeune homme tenait à parler de sa vie avec une sensibilité assez touchante, il faut bien le dire. Nous sommes même assez émus de le recevoir. Juste un petit bémol, Jean-Édouard, je ne sais pas pourquoi, il a remis son nom de famille, parce que Jean-Édouard lit pas, c'est pas très bon pour la pub d'un livre quand même. Hein. On va quand même tester ensemble Post Loft aux éditions Flammarion, il a trouvé un bon éditeur, voici Jean-Édouard, lit pas. Bonsoir. Salut Jean-Édouard. Bonsoir. Juste un doute, vous n'avez pas une cicatrice quelque part? Non, j'en ai pas moi. Vous y avez cru, monsieur, là hein? Bah, disons que je disais à la régisseuse derrière, je disais, mais il est quand même au CNRS, donc c'est qu'il doit avoir un minimum de crédibilité. Ah oui, bah, Il avait. C'est vrai que maintenant qu'il est sorti du plateau, il en a plus trop. Avant de passer ici. Chez vous. Alors, Jean-Édouard Lipa a écrit Post Loft, c'est un petit bouquin. Non, je ne l'ai pas écrit. Ça c'est vrai, vous l'avez dit, vous êtes très honnête là-dessus. C'est un journaliste qui vous a posé des questions et qui a retranscrit votre après-loft, en fait. C'est honnête de le dire, parce que d'autres, vu que son nom n'est pas sur la couve, d'autres le cacheraient. Surtout que c'est écrit très simplement et tout. Moi, j'étais persuadée que c'était vous qui aviez écrit. Ah non, mais c'était. C'est vrai que. Non, mais c'est vrai que. Non, mais c'est écrit simplement. Attendez, il rigole derrière. J'ai pas dit simplement débile. J'ai dit non, simplement de manière simple, naturelle. Il se lit très facilement. Parce que c'était. Moi, j'avais pas vraiment le temps d'écrire le bouquin. Et donc, d'un commun accord, il y a eu ce qu'on appelle un nègre.
Et en l'occurrence, il fallait qu'il s'adapte, entre guillemets, à ma façon, moi, de parler ou d'écrire. Et en l'occurrence, moi-même, j'ai retouché certains passages qui ne me correspondaient Pas. Entre guillemets, ça a été déposé, c'est Aziz, ça. Vous avez dit entre guillemets. Ah oui, d'accord. Ça, c'est Aziz, c'est déposé, ça. C'est un autre lofter. Bon. Attention, il ne faut pas piquer les trucs des copains. Hein. Parenthèse. Avec des guillemets. Claude, vous avez lu? Oui, j'ai lu. Alors, ça a commencé par m'exaspérer, je vais te dire, parce que ta célébrité. Tu te demandes alors, Tom Cruise, qu'est-ce qu'il est? Si toi, tu es célèbre, Tom Cruise, il est quoi? Il est glorieux, il est... Il est bon, d'accord, on te reconnaît dans la rue, on te demande plein d'autographes. Ça m'a agacé un peu. Quand tu dis que tu n'as pas parlé de tes premières bandelets, encore que ça aurait intéressé beaucoup de gens, je me suis énervée. Mais après, j'ai trouvé que c'était plutôt sympa. Très sympa, même. Vraiment, t'étais sincère. Et surtout, j'ai trouvé que tu mesurais continuellement, à l'aune de ce succès que tu as eu en sortant du loft, la chance que tu avais de pouvoir faire des DJ. Maintenant, ce qui m'inquiète un peu, c'est que tu veux faire vedette de cinéma, animateur de télé et animateur de radio. Ça, c'est tu un veux peu nous bouffer notre pain ou quoi? C'est vrai, vous avez toutes ces ambitions? Non, le cinéma, en fait, pas vraiment. Parce qu'en fait, beaucoup de gens m'ont dit « Ouais, pourquoi tu te lances pas dans le cinéma ?» Donc, j'ai pris des cours. Et au jour d'aujourd'hui, non, j'ai vraiment pas c'est envie pas de fait, faire. C'est, non, mais c'est, j'ai pas le cœur à faire du cinéma. Bon. Mais la télé, en revanche... Ouais, la télé, oui, j'ai... On en reparlera. Jean-Luc Lemoine. C'est un bouquin qui a... Non, il y a plein d'humilité dans ce livre, justement. Il est très lucide sur sa condition. Mais je me suis posé deux questions en lisant ça. C'est que d'une part, je me suis dit justement, est-ce que c'est pas la limite de la télé-réalité? Je me suis presque dit, et tu vas peut-être trouver ça méchant, mais que c'était presque périmé parce que depuis, il y a un autre loft qui est passé. Et est-ce que tu n'aurais pas dû le sortir plus tôt? Et la deuxième chose, c'est qu'on voit aussi... Ce que je trouve dommage, c'est que tu trouves aujourd'hui, en tout cas, une légitimité en tant que DJ. Et en mettant ça, est-ce que tu ne donnes pas le bâton pour qu'on te tape dessus quand on refoute le loft dessus alors que tu veux te défaire de cette image? Moi, je vous raconte parce que tous les jours, on me pose des questions. Donc, je fais qu'on m'aime ou qu'on m'aime pas, et ben, on lira le bouquin. Moi, je raconte vraiment ce que j'ai vécu, ce que j'ai pensé. Et ce qui est toujours, c'est qu'aussi, on apprend des choses plus personnelles, et notamment que Jean-Edouard était un garçon très sensible et que sa mère a changé la fin des contes tristes pour pas qu'il soit triste. Est-ce que tu penses que ça a influé quelque chose dans ta vie? Enfin, ça a influé sur ta vie que ta mère te dise qu'à la fin de la chèvre de Monsieur Seguin, la chèvre couche avec le loup? Sophie Garel. Alors, moi j'ai beaucoup aimé, je le trouve charmant ce garçon. Il est petit, en plus il a 22 ans, il est frais, il est naturel. Son livre, on apprend qu'il mange des croquettes de chien, des trucs qu'on fait à cet âge-là. Après, avec le temps, tu t'habitueras à faire d'autres choses. Qui es-tu, Jean-Édouard Lipa? D'abord, est-ce que tu sais ce que ça veut dire Lipa? Toi qui as des origines tchèques. Ben, à l'origine, on m'avait dit que ça voulait dire tilleul, mais on n'en a jamais été vraiment sûr. C'est ça, bravo, Lipa, c'est un tilleul. Et d'où tu tiens ces infos? J'ai des relations. Je dirais, Perrin. Non, son livre est absolument charmant. C'est vrai, je pense un peu comme Jean-Luc, qu'il est un peu périmé parce qu'il arrive un peu tard. La photo est délicieuse. Le garçon, j'ai eu l'occasion de le rencontrer 2-3 fois. Je trouve qu'il est assez sain et simple. Et c'est le genre d'enfant qu'on a envie d'avoir. On espère qu'il ne va pas trop s'abîmer avec ses mixages, ses mixtures et qu'il finira tranquillement avec ses belles histoires d'amour. Mais Stéphane Pocra. Moi, je vais être un peu honnête avec toi. J'ai vraiment lu parce que voilà, c'était pour le boulot, pour l'émission de télé. Parce que sinon, je ne l'aurais pas acheté. Le loft, ça m'intéressait comme phénomène de société. Je ne m'intéressais pas beaucoup aux gens qui étaient dedans. Je trouve que c'est. Ça ne m'intéresse pas, ça ne me parle que de toi. Mais bon, il y a un truc dans le bouquin qui est intéressant. Tu reparles de la chronique de David Dufresne. Il avait fait une chronique très, très méchante. Moi, en le lisant, pourtant, j'aime beaucoup Dufresne, mais je trouvais que c'était méchant. Et puis, tu reviens sur ce qu'il dit dans son bouquin qu'il a écrit ensuite, après coup, où finalement, il te présente des excuses publiques en disant « Mais finalement, Jean-Édouard, ce n'est pas le sale con qui a sauté Loana dans la piscine. » Il y a un Jean-Édouard qui est celui de la télé-réalité, celui du loft, et puis il y a un vrai Jean-Édouard à côté. Et le problème, c'est que justement, tant que tu avais fait que le loft, moi, je pouvais croire qu'il y avait un vrai Jean-Édouard à côté, mais comme tu nous racontes à côté, dans un autre bouquin, qui est une espèce de bouquin réalité, le vrai Jean-Édouard, là, vraiment, on s'en sort plus, quoi. T'es irrattrapable, hein. Bon, alors, on parlait de Loana tout à l'heure, alors, moi, je lis la presse un petit peu people, hein, ouais. Parce que, bah, évidemment, alors, il paraît qu'elle est malheureuse, là, maintenant. Ah ouais, j'ai lu ça, ça m'a fait beaucoup rire. Mais t'es ravi, tu mufles, quand même. Ah non, mais c'est pas ravi, Mais non, mais... Ah, mais non, mais... Ah oui.
On a oublié de par avis, mais faut voir le journal dans lequel il l'a lu. On a oublié de dire un truc quand même, c'est que vous êtes manifestement une sorte de tombeur, quoi. C'est-à-dire que les gonzesses vous courent après, comme c'est pas mais c'est pas vrai, il est timide, c'est elle qui vient lui arracher sa chemise. On comprend ça. Non, mais je dis pas qu'il dit oui, mais enfin manifestement. Non, mais vous savez tous, dès qu'on passe un minimum à la télé, le regard change. Eh ben non, pas du tout. Enfin, je sais pas. Pas de chance, alors. Voilà, pourquoi Loana, elle est malheureuse, en tout cas, elle l'a dit dans les journaux, elle est malheureuse, la pauvre Loana, parce que vous avez eu une petite histoire d'amour avec Jennifer de la Starac. Sauf que, alors, Jennifer, là, vous êtes fâchée avec tout le monde, dans son coup. Alors, Jennifer, elle est pas contente que vous ayez tout raconté. Loana, elle est pas contente parce qu'elle dit eh, « moi, je suis toujours amoureuse de lui, il était amoureuse de l'autre. » C'est un bordel, votre vie. Ah ouais, mais c'est un grand bordel. Je peux rajouter quelque chose? Je comprends rien, parce que dans le livre, vous citez pas le nom, par correction, par pudeur, vous dites « je veux pas lui nuire oui. ». Et là, vous balancez tout. Ouais. Pourquoi? Malheureusement, dans ce milieu, ils ont dit « ok, nous, on veut bien te filer la couve pour ton bouquin, et tu nous dis bien que c'est elle. » Et c'est vrai que j'ai joué le jeu, et je le regrette pas. Excuse-moi. J'ai dit « je raconte… » Mais non, attention, je raconte quelque chose qui est dans mon livre. Ouais. Je raconte pas une histoire qui est complètement… Donc j'ai dit « oui, ben voilà, je… » Oui, je donne les noms. Uniquement pour faire vendre ton petit bouquin. Oui, mais c'est, non, mais c'est de la goujaterie pure. Attention, mais non, c'est pas de la goujaterie. C'est parce que l'histoire, ça. Elle est dedans. Un homme ne doit jamais parler de ses histoires amoureuses à personne. Et surtout pas, pas à son qui meilleur pas nous raconter ses histoires amoureuses. Non, non, je suis pas d'accord ça avec Claude. Mais entre mecs, on se raconte tout et c'est ça qui est bien. Mais ça ne se fait pas. Voilà, c'est tout. Ah oui, vous avez dévoré l'interview. Ah ben naturellement, je vais me gêner. Dans le livre, vous parlez d'une jeune écrivain. Alors, comme vous avez donné les noms des autres, est-ce qu'on peut savoir qui c'est? Mais celle-là, j'ai perdu le nom, en fait. C'est pour ça qu'on l'a pas mis dans le bouquin, c'est que je me souviens plus du nom. Mais non, c'est encore pire que ce que tu dis. Il a même pas pensé à lui demander son nom. Mais non, mais c'est pas vrai. Et vous avez une histoire. C'est la mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi. Allez, Jean-Edouard Lipa, il veut être animateur télé, hein? Ouais. C'est vrai, ça? Ouais, c'est vrai. Alors, écoutez, moi, je sais pas ce qu'ils ont mis au prompteur. Ils m'ont dit juste, tu sors, et c'est lui qui prend... Alors, voilà, tenez. Bon, je prends votre place. Voilà, et moi, je me tire. Bon. Tu oublies pas le chèque, hein? Fais gaffe, il y a des extraterrestres là-bas, Laurent, fais gaffe. Alors, la personnalité que nous allons recevoir maintenant est une vedette internationale, une vedette qui a fait rire le monde entier avec ses bons mots, mais qui a ému aussi dans les chaumières. Si je vous dis qu'il s'appelle Laurent, qu'il parle anglais comme mon genou, et qu'il aime se toucher le stylo pendant des heures, si j'ajoute que quand il n'est pas à la télé, il est à la radio, et que quand il n'est pas à la radio, il est au théâtre, et quand il n'est ni à la radio, ni à la télé, ni au théâtre, eh bien, il est au cabinet. Et oui, vous l'avez reconnu, mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir Laurent Gérard, Laurent Ruquier. Bon alors, dans cette émission Dis qu'on pense, j'ai vu votre émission, Laurent, c'est de la merde. Hein, vraiment, C'est la première fois que vous faites l'émission? Oui, c'est la première fois, je suis content de voir tout le monde. Bonjour Claude, je connais un peu Claude. Bien. Mais moi je t'aime beaucoup, tu sais, moi. Ouais. Alors comme on le disait dans la présentation, avec un tel emploi du temps, comment vous faites pour trouver le temps de dormir ou d'avoir une vie intime? Alors je... De quoi tu te mêles, toi? Tu vas pas nous bousiller. Non, c'est le présentateur. Alors ma vie intime, je vais vous dire, c'est assez simple parce que, en fait, c'est une personne par jour. C'est-à-dire que j'ai Jean-Luc Lemoyne le lundi, Stéphane Pocrin le mardi, Claude Sarraute le mercredi, Perry Cochin le jeudi et le vendredi, je peux pas vous dire, mais si vous me donnez une couve, je vous balance le nom. Ma dernière question, lorsqu'on voit donc le parcours que vous avez fait, tout ce que vous faites, maintenant on peut se demander ce qu'il vous reste à faire. Donc en ce moment c'est la guerre en Irak. Est-ce que vous comptez justement partir en Irak pour comme bouclier essayer humain. De terminer votre carrière? Comme bouclier humain en Irak? Bouclier humain, grand reporter. Grand reporter en Irak? Non, ça je... Non, je... Non, non, moi j'aime bien mon confort aussi, vous voyez. Oui. Je suis un garçon, j'aime bien mon confort. Vous et puis... comme Bernard Montiel un peu. Non, non, parce que lui, son confort, il va plus tarder à plus l'avoir beaucoup, vous voyez. C'est... Donc, non, non, non. Ah non, moi je ne cracherai jamais sur les gens avec qui je travaille. Non, non, non. J'aime beaucoup les gens de France 2. Je trouve Michel Drucker formidable, Thierry Ardisson intelligent, Marc-Olivier Fogiel autant. Vous voulez rentrer chez France 2, là? Pardon? Vous voulez rentrer chez France 2, là? Je voudrais surtout y rester et que tu me rendes ma place, petit con. Très bien. Ben, il se débrouille pas mal. Ah, pas mal. Hein? Pas mal.
Moi, je vous regardais, en tout cas, derrière, vous passez très bien à l'écran, vous pouvez de temps en temps. Ah ouais. Voilà, si vous nous aviez balancé le nom de l'écrivain, peut-être même vous auriez pu me remplacer un soir. Ben non, sinon je me serais fait engueuler par Claude, elle m'aurait dit tu es un goujat, tu es un... Non, je ne sais pas, je balance que dalle. Faut pas croiser les bras, hein, comme ça, c'est pas bien. Pour interviewer, c'est pas bien. Ça, c'est réservé à Marc-Olivier Fogiel. Jean-Edouard Lippard, Poste Lost, c'est chez Flammarion. Merci d'être venu, c'était sympa. Merci à vous. Bon week-end, restez sur France 2. Demain, Christine Bravo. Dimanche, Michel Drucker. We'll be right back.